Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo. Ce soir, on va faire l'USD/Yen, donc qui a connu ces derniers temps une belle accélération haussière. Alors, on va faire cette vidéo bien parce qu'on est sorti un petit peu d'une zone de range. Enfin, on n'est pas tout à fait sorti, mais on va voir pourquoi. Alors, si on resitue la situation depuis un petit moment, on a eu une grosse phase baissière sur le moyen terme, disons depuis 2 ans. Très longue baisse, hein, sans trop d'arrêt, avec des zones plus ou moins de ralentissement, de consolidation, mais pas vraiment de correction. Et on a fait vraiment du plus bas pendant un petit moment ici. Pendant bah, pas loin, pendant quelques mois ici, on a fait un range. Et actuellement, eh bien, on est en train d'en sortir par le haut. Donc on a eu pas mal de points de contact bas avec des rebonds assez importants. Il faut faire attention tout de même, puisque comme j'ai dit, on est dans une dynamique, si on regarde sur le moyen terme ici, de fond baissier, hein, quand même, globalement, si on regarde la petite période ici par rapport à la grande période là, on est quand même dans un trend de fond orienté à la baisse. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir des objectifs aussi à court terme, c'est pas du tout un problème, même un retournement entier, hein, c'est pas impossible. Alors, on va voir un petit peu dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, pour l'instant, bon, il faut remarquer tout de même qu'on a beaucoup de mouvements réactifs sur sur l'USD/Yen. C'est-à-dire qu'on va avoir rapidement des rebonds, des fausses cassures, on en a pas mal, vous voyez ici on a eu une belle fausse cassure par exemple ici, on était passé en dessous, on est reparti tout en fer à os. Là on en a eu une autre ici, en dessous, hein, beaucoup de faux signaux. Mais là on a quand même une hausse ici qui est très marquée en fait, qui est marquée pour une fois. C'est pas de la hausse anormale, je dirais, parce que quand on regarde les hausses et les baisses ici, entre les deux. On a vraiment, je vais pas dire que c'est anormal, mais c'est assez discontinu, c'est pas très joli. Alors que là, on a vraiment une hausse marquée sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, 11 jours. Donc sur plus de 10 jours, on n'a qu'une seule bougie rouge, et au sein de ces bougies-là, on a pas mal de bougies vertes qui ont des corps relativement importants par rapport à leurs ombres, marquant une forte présence des haussiers sur le marché. Donc, par rapport à ce qu'on a ici dans notre configuration, alors on n'est pas sorti du range total, je dirais, parce qu'ici il est vraiment matérialisé ici. Alors attendez, c'est pas exactement pas très précis ce que je vous fais là. On va remonter un petit peu. Voilà, en fait, on est en train de le tâter le plus haut, la plus haute résistance, qui accessoirement est une résistance assez efficace, puisqu'on remarque ici globalement la zone, on a des plus bas en précédent, qui viennent bloquer, vous voyez un petit peu la dynamique, on est passé dessous et maintenant on n'arrive plus à repasser dessus en fait. C'est cette zone un petit peu qui fait pivot entre les 79,7 disons et 79,5 à peu près. C'est une zone qui est pivot et on voit pas si les cours vont passer au-dessus. Donc pour l'instant, ils sont pas passés au-dessus, donc on reste dans l'attente. Il faut rester, même si on a eu, comme j'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de fausses cassures. Donc il faut rester dans une dynamique de se dire on va plutôt shorter les tops et rentrer long sur les bottoms, donc plutôt je dirais shorter les résistances, acheter les supports, donc essayer de rentrer à l'inverse du mouvement actuel, ce qui ici pour moi n'est pas forcément intéressant parce qu'on a vraiment un mouvement de fond haussier, et je pense que maintenant shorter maintenant c'est pas une bonne idée, je pense pas, parce qu'on pourrait avoir, vu la puissance qu'il y a là, on pourrait avoir une continuation et de toute façon on pourrait facilement sauter des stops. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on est sorti d'une zone de range plus courte ici. Vous la voyez très bien, elle est là. Elle a été matérialisée ici. Donc on va poursuivre le trait, hein. Ici, on en est sorti. Bon, ça peut se tracer autrement, ça peut être aussi comme ça. Enfin, il y a plusieurs options de tracé, mais bon, on va dire ça comme ça. Là, on a quand même une cassure qui, contrairement à la cassure par le bas, semble beaucoup plus franche, beaucoup plus marquée. Parce que la cassure par le bas, vous voyez ici, ça a rapidement ralenti, puis c'est remonté, c'est reparti dedans. Alors que là, on continue, on s'est arrêté sur la cassure et après on est reparti très fort à la hausse. Donc si on prend les objectifs de sortie de ce canal ici, de cette zone rectangulaire de consolidation, on remarque qu'on se trouve au-dessus de la zone disons, de résistance potentielle. Bien que on est quand même, on soit encore un petit peu dans une zone conflictuelle. Donc on pourrait continuer à augmenter encore et avoir un retournement ensuite. Donc pour l'instant, de toute manière, quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'est pas intéressant de trader aujourd'hui sur l'USD/Yen. C'est pas une bonne option. Mais
selon les scénarios qui vont se décrire, on va avoir potentiellement de bons d'intérêts. Alors, l'idée de toute manière, globalement, je pense que maintenant on n'aura pas un pullback pour aller revenir ici. Enfin, peut-être on va avoir du mouvement sur la zone ici. Là, on va avoir de la, là, on va avoir de la, du mouvement, c'est sûr. Il va se passer des choses parce qu'on a vraiment un niveau de résistance important. Ça, c'est assuré. Après, est-ce qu'on va passer au-dessus, est-ce qu'on va passer en dessous? Pour l'instant, c'est pas possible de le dire. Logiquement, là, les objectifs de sortie sont suffisants pour qu'on sorte, mais c'est pas encore dit, c'est pas encore assuré, il y a encore des résistances potentielles. Donc, on va pas spéculer vraiment là-dessus, il faut spéculer sur qu'est-ce qui va, si, selon ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, si on a un retournement baissier évident, clair, marqué, donc avec une figure bougiste, sous la résistance, ici, je pense que là on peut shorter pour chercher à trader le range, tout simplement, le grand range ici, comme ça, et aller chercher ben, le bas du range, tout simplement à 76 à peu près. Donc là, là il y aurait de grosses opportunités de short. Après, si on a une cassure, je conseille toujours pas d'acheter, parce que là, on va avoir très probablement un pullback. Donc si on a une cassure au-dessus, ça risque de faire comme ça, puis comme ça. Parce que là, vous voyez, on est déjà en excès. Hein. Donc, si on met un RSI ou quelque chose comme ça, je serais vraiment pas étonné que RSI, alors ça fait tellement pas long, c'est tellement longtemps que j'ai pas mis cet indicateur. Voilà. Vous voyez, on est largement au-dessus de 70. On est à peu près, si je viens bien, on est à 77 à peu près. Donc vraiment, vous voyez, le RSI, c'est pas souvent hein, qui monte à ces hauteurs. Donc là, on pourrait avoir dès à présent une correction, même maintenant. Pour cette cause de surexcès, je dirais d'excès vraiment vraiment violent, donc il faudrait faire attention. C'est-à-dire que si là on corrige, on pourrait avoir juste un phénomène de correction. Disons que si on avait un retour comme ça vers cette zone de canal la précédente, je pense qu'on pourrait il pourrait arriver aussi le pullback sur cette zone et la reprise qui viendrait casser ensuite. Dans ce cas là, là il va falloir être un petit peu plus subtil qu'à l'habitude, je dirais. Parce que dans ce sens, on va penser que ça retourne dans le canal de fond, mais finalement non, ça vient juste faire un pullback sur le précédent, le canal plus court terme, pour reprendre du souffle. Donc dans ce sens, il va falloir, je pense, shorter finalement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément une bonne idée, parce que ça pourrait brider une stratégie acheteuse au niveau de cette zone ici que j'avais souligné. Parce que si là on rebondit sur cette zone, on pourrait aller chercher de l'achat à moyen terme. Après voilà, ça dépend de la force de ce qu'on voit sur le graphique, de comment, si on a un rebond net sous la résistance, évidemment on peut trader la résistance. On peut shorter sous la résistance pour aller chercher vraiment les 76. Évidemment, on peut tout simplement shorter la résistance, voir ce qui se passe vers ce niveau-là. Et si ça tend à rebondir, eh bien on coupe tout, bien évidemment on fait pas de gain, on fait une perte. Enfin, là non, on ferait soit un gain minimal, soit un tout petit gain, soit pas de gain, soit rien. On ferait pas de perte logiquement, enfin très peu si on a. Et dans ce cas, si on avait un rebond, on retourne la position et on repart à l'achat. Et par contre, si ça vient à casser vraiment cette zone, là on reste short jusqu'en bas du canal, jusqu'à 76, et on ramasse. Donc, pour moi, là, vu la force du mouvement, je ne serais pas étonné que ça casse. Bon, c'est très subjectif ce que je donne. Mais là, on a vraiment un mouvement qu'on n'a pas eu depuis un petit moment. Un mouvement haussier qui s'est pas vu depuis un bon moment. Vous voyez, on peut avoir aussi ce phénomène. Hein. Vous avez vu, là, on a une belle zone aussi ici. On avait quelque chose de joli. Il y avait une très forte accélération haussière. Et ça a cassé, mais ça a rien donné derrière. Donc, il faut faire attention à ces fausses cassures parce qu'on est quand même dans une tendance de fond baissière. Donc, shorter la résistance, je pense, au final, vraiment, c'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. Ce qui est de plus dangereux maintenant, c'est d'acheter maintenant. Ça, c'est pas une bonne idée. Il faut pas acheter maintenant. Si on veut acheter, il faut attendre, voilà, un pullback, soit pour acheter, comme je vous ai dit, ce scénario ici tracé, donc rebond sous la résistance, pullback, soit une continuation de l'accélération haussière qui amènerait ici, puis acheter sur le pullback ensuite pour aller chercher plus loin. Mais c'est pas d'actualité encore. Par contre, si on a une retournement baissier demain, enfin demain, on est vendredi, mais disons lundi, là on pourrait shorter, si on avait un retournement clair, on pourrait shorter dans un premier temps pour aller ici,
Si, voilà, comme je vous ai dit, on rebondit à la hausse, là on coupe la position, on voit ce qu'on fait, mais si ça continue, eh bien on short jusqu'à 76, et là on gagne pas mal normalement. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu les scénarios auxquels je pensais. J'espère que cette vidéo vous aura plu surtout, et sur ce, eh bien je vous dis à la prochaine.